ils l'auront avec la technologie. La vie éternelle, ça ne veut pas dire... Non. La vie éternelle, ça ne veut pas dire... Mon père, Allah irahmou, tu vois, il est mort. Voilà. Demain, si on me donne un casque et on me dit, il est avec toi, tu le sens quand il te parle, quand il te touche, wallah que je prends pas le casque. Bien sûr. Les salades janeza, il n'y en aura plus à cause de leurs conneries, là. Je pense aux Mets-toi gens, à la c'est... place d'une maman qui a perdu son enfant de 3 ans. Tu crois qu'elle va pas le mettre, ce casque? Si Mais elle ressent l'odeur de son enfant, elle va pas le mettre, ce casque. Donc la technologie t'éloigne d'Allah, carrément. Ben, tu les vois, juste en fait, nous, la première étape, comme tu as dit tout à l'heure, dans les mosquées, Tarawih et tout, les gens, ils passent plus de temps sur leur écran qu'à la mosquée. C'est déjà une première étape. Les gens, ils ont cette tendance à finir, parce qu'il faut pas oublier que c'est Allah qui guide. Nous, on n'est rien. Nous, on fait nos causes. Allah, il nous a donné des miracles qui sont devant nous. Il y a un verset dans Sourate Al-Imran qui dit il y a dans la création des cieux et de la terre. C'est une histoire du prophète Aïssa avec un compagnon qui s'appelait, je crois que c'était Bilal. Il disait il y a dans la création des cieux et de la terre et dans la succession des nuits et des jours des signes pour des gens doués d'intelligence. Et quand le prophète Aïssa, il avait les larmes aux yeux, quand cette révélation lui avait été faite, le compagnon a dit, mais pourquoi tu pleures? Et à Rasulallah, il a dit, je pleure parce que ce verset m'a été révélé. En fait, Allah Ta'ala, il veut qu'on médite sur sa création. Tu vois ce que je veux dire? Et le fait de penser le plus grand ennemi de l'être humain, c'est le diable. Les gens Viens qui ici, sont dans la Georges. croyance. Ouais, Les mais gens ça, qui c'est sont dans la clair. croyance. Voilà.